Donc voilà, j'ai décidé de passer au nouveau parce que l'ancien, je peux plus rien y faire. Alors hop, donc là je le mets bien comme il faut. Donc comme chaque jour, voilà, je me lave le visage avec mes produits pin-up pendant la base. J'aime trop utiliser les nouveaux savons. Hop. Pour avoir une belle peau. Et également, vous faites matin et soir. Et vous pouvez faire une à deux fois par semaine en tant que masque. Donc au lieu de le rincer direct, vous le laissez poser 5 minutes. Vous allez voir, votre peau n'aura plus d'imperfections. Donc fini les boutons, fini les cicatrices du bouton, fini les taches. Il est trop magique ce savon. Franchement, ça fait 6 ans. Hop. 5 ou 6 ans que j'utilise. C'est un truc de fou. Étant jeune, j'avais des problèmes d'acné. Et là, c'est plus revenu. J'ai trouvé la solution. Moi, j'ai trouvé le savon qu'il me fallait. Et pour toutes celles qui m'ont testé, vous êtes accro à ça. Les produits pin-up, c'est vraiment la folie. Donc, vous voyez, en fait, toute la mousse là, c'est du lait de chèvre. Et c'est ça qui vient assécher tous nos boutons, qui vient nettoyer la peau, qui la rend belle. C'est trop naturel. Hop. Donc comme je vous ai dit, quand vous faites le masque, vous le laissez poser comme ça 5 minutes, puis vous rincez. Sinon, matin et soir, vous le faites comme ça et vous rincez directement. C'est la guerre. Après, je vais appliquer ma crème. Et donc, une fois que vous avez rincé le savon masque au lait de chèvre, là, moi, j'applique la crème précieuse. Vous voyez, de chez Pin'Up Secret. Celle-là, elle est trop bien. En fait, à chaque fois que je vois que je vais avoir l'apparition de boutons, ou alors que je vais avoir mes ragnagnas et je sais que je vais avoir des boutons donc hormonaux ou quoi que ce soit, et ben, j'utilise cette crème-là. Franchement, elle est top. Moi, je fais comme ça tout le matin. Tout simplement, à l'intérieur, il y a une plante médicinale chinoise, donc qui sert dans toute la médecine chinoise, qui sert aux peaux qui ont des vrais problèmes genre d'acné. Donc, et à l'intérieur de cette crème-là, il y a ça. Donc, du coup, ça traite tout, toute l'apparition des boutons et tout. Elle est trop, trop bien. Donc là, je laisse sécher. Hop. Mais vraiment, genre, elle pénètre vachement vite et elle est trop bien. Donc là, j'ai une peau nickel, tout, vraiment toute propre. Donc c'est la folie. Tous ces produits-là, je vais les emmener avec moi dans ma valise. Voilà, je ne vais pas les oublier. Vraiment des essentiels. Genre, si je n'ai pas ça, je vais me sentir trop mal. Donc là, j'ai remis mon savon dans la petite boîte. Comme ça, je la mets dans ma valise. Voilà. Donc ça, c'est trop bien. Et ça, j'emmène aussi. Et j'allais oublier aussi un rasoir, la base. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Sachez que je vous donne un code de moins 35% qui est valable sur tout le site Pin'Up Secret. Donc profitez-en. En plus de ça, vous avez la livraison qui est offerte. Donc vraiment, genre Pin'Up, c'est des produits de dingue. Vous pouvez les retrouver en pharmacie. Voilà, donc, franchement, c'est des produits, mais de qualité de dingue. Donc profitez du code promo que je vous mets vraiment juste après. Voilà. Joyeux anniversaire, Anto. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, tonton. Regarde. Joyeux anniversaire. Là, une télé, c'est bien allé à l'heure. On va pouvoir faire les télés tranquilles. Donc là, anniversaire du beau-frère. Là, ça s'active en cuisine. C'est cauchemar en cuisine. Cauchemar en cuisine. Et regardez le t-shirt de mon beau-père, comment il est trop beau. La bande à papy. Enzo, Maïwen, Adia et papy.
Bon, aujourd'hui, Alia, on teste quoi? La patate douce. La patate douce. Allez. On va voir si t'aimes bien. C'est trop bon la patate douce, tu vas voir. C'est bon. Ça va, t'aimes bien? Bien. Tout droit, hop. Bon, ben, t'as l'air de bien aimer la patate douce. C'est bon? Et tu ne vis que pour les caméras, les appareils photo. Et tu ne vis que pour les miroirs, le regard des autres et le Chanel Co. Et te faire changer, oui, j'essaye. Mais chez toi, tout est si fake. Tu ne jures que par les caméras, les Ferrari. Pour nous tu n'as plus aucun mystère. Les jupes aussi courtes que les nuits de ton père. Et tu incarnes tout ce que je déteste. It's a crime, I'm taking my time and there's nothing to do. Donc voilà, trop contente, franchement. Pff,
Maybe, bah, c'est de la qualité de dingue. Hein. Voilà, vous connaissez tous Maybe. Maintenant, ça fait peut-être 3 ans que je les utilise. C'est une gamme de dingue. Sachez qu'ils sont très bien notés sur Yuka. C'est du Made in France. Donc, Maybe, c'est une marque française. Et ils sont juste ouf. En fait, à la base, ils sont spécialisés dans tout ce qui est lissage, réparation des cheveux. Et vous savez, j'utilise tout le temps le Botox capillaire qui est ouf. Et là, c'est nouveau. J'ai enfin reçu Vanny. Donc, direct, quand je l'ai reçu, bah, je veux trop la tester. Et elle est trop bien. Ça sent trop bon, la Vanny. J'adore, moi, ses odeurs. Et regardez la brillance de mes cheveux. C'est un truc de fou. Et comment ils sont souples, ils sont soyeux. Franchement, c'est une gamme de malade. Donc, j'ai utilisé le shampoing vanille. Donc, le vanille essence. Donc, c'est un shampoing texturé comme celui qui est au monoï ou au oud. En fait, vous l'avez soit au monoï, au oud et maintenant vanille. Et j'ai testé donc le vanilla glossy. Donc, c'est l'après-shampoing qui est ouf aussi. Et comme d'hab, bah, y a leur soin Botox et ils l'ont fait aussi à la vanille. Donc tout ça, je prends avec moi dans ma valise. Comme ça, je vais me faire aussi des bons soins en vacances. Depuis que j'ai plus mes extensions, je me suis dit maintenant, je vais reprendre tous mes soins. Tout ça, vu qu'il n'y a plus d'extensions, il n'y a plus de colle. Et vu que mes cheveux ont bien poussé et franchement, ils sont trop beaux. Bah voilà, j'y prends soin avec des bons produits. Donc si vous recherchez une gamme de shampoing, après shampoing, Botox qui répare vos cheveux, Maybe et la gamme vanille, elle sent trop bon. Après, vous avez le choix en fait. Vous avez vanille, oud ou senteur, monoeil. C'est à vous de choisir. Mais vanille, c'est la nouvelle, c'est une tuerie. Je vous laisse un code promo de -50%. En plus de ça, regardez l'offre qu'il y a juste ici. Je vous l'ai écrite. Et les 3 chouchous en soi, c'est ceux-là. Ils sont trop bien. Je les ai déjà, donc je dors avec. Il est dans la salle de bain. Et là, c'est ce que vous avez en cadeau. Donc, foncez. Regardez, voilà, il est de barbecue. Hein, mon chéri? Ouais. Les spécialistes du barbecue. Il y a fait un barbecue, mais il est là. Ouais, donc la très grande table. Il y a la Ressa aussi. C'est très fort. Et il y a toujours la pizza. Un deuxième indice, où on va? Après ton point double, ton score double au Scrabble. C'est même mon indice que ton indice blanc. Bah donne un autre indice. Vas-y, trouve un indice. Non, mais c'est facile ça, elle a vu ce qu'elle allait dire? Non. Elle est Mirati. Mais mâche normal, arrête. Il marche comme ça là. Parce que ça, c'est le loup qui va avec ma démarche. Là, mais à côté comme ça, là, dedans. Là. Et arrête de marcher comme. Mais marche bien. Mais je vais pas marcher. Hein. Tu veux tu le rentrer, mais on ne veut pas. Mais c'est archi bien, Marrakech, c'est stylé la Marrakech. Ouais, peut-être un peu grand, mais c'est top, je trouve. Parce qu'elle me dit, c'est grand. Il faudrait que. C'est mon anniversaire, il mange toute ma gueule, quoi. Mais je trouve ça magnifique, le dedans. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Bon, tu continues à lui donner le bibi. Moi, j'ai un call à passer. Ok. Donc, pour mon livre, par rapport au livre. Ah. Donc, on va voir s'il y a eu des bonnes nouvelles ou pas aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y aura des bonnes nouvelles. Ben, j'espère, on va voir. Bon, allez, à tout de suite. Je me mets dehors. Donc, il fait beau, j'en profite. Mon agent a eu toute l'équipe d'édition pour mon livre au téléphone et j'espère avoir des bonnes nouvelles. Parce que j'attends. Que l'édition valide. Donc, je suis un peu stressée. Donc, moi, il faut que je l'appelle. Ils sont hyper contents. Ils sont choqués parce que personne s'y attendait. Et c'est trop bien quand ils me soutiennent. C'est une source de motivation.
Ah. T'es mal trop lapin. Bonne humeur. Et du coup, oui, j'ai une super nouvelle pour toi. C'est vrai? Je m'en prie avec la maison d'édition. Ok. Le storytelling est vraiment intéressant pour eux. Tout ce que tu as raconté sur ton expérience personnelle, amoureuse, etc. Ils sont super intéressés. Ils sont bien conscients que tu as une communauté incroyable. Et ils t'ont suivi pendant plusieurs mois au préalable sur les réseaux pour s'en rendre compte eux-mêmes. Il n'y a vraiment que des bonnes nouvelles. Ils te suivent à fond sur ce projet. Déjà? Ouais, ça va très très vite. Donc là, d'ici quelques mois, le livre sort. Ouais. Je suis trop contente. Je suis émue, je suis contente. Je me dis, ça y est, mon livre va voir le jour. Et surtout, on a une date de sortie. Donc là, je suis stressée. Toutes les émotions se partagent dans ma tête. J'ai envie depuis très longtemps d'écrire ce livre. Et là, bah, c'est un aboutissant. On peut dire qu'on a réussi. Hein, parce que tu m'as poussé jusqu'au bout. Bah oui, mais tu m'as poussé jusqu'au bout et tout. Donc, tu es aussi pour quelque chose. Donc, je suis trop contente. Je suis heureuse aussi. Bravo pour tout ça. Merci. Ouais, bah, j'ai trop hâte maintenant. Et j'espère qu'on se voit vite pour fêter ça. Ouais, voilà. Ouais. Grave. Merci. Bisous, bisous. Ciao. Non, mais je suis trop contente. Oh, il faut que j'aille annoncer ça à AG. Déjà. Alors chérie, j'ai une trop bonne nouvelle. Donc la maison d'édition. Bon, là on finit le bibi d'Alia. Et après j'allais nous faire notre thé que j'ai moi. Et là j'ai, il est en mode. T'es en train de faire quoi chérie? L'enregistrement des bagages. Il est en train d'enregistrer les bagages. On est devant maman, il célèbre. Et après on va aller faire notre thé. Mon amour. Bon, là, je prends 5 minutes pour moi pour boire mon petit thé dehors. Voilà, il fait beau, on est en terrasse, ça fait du bien. Donc, on a fêté l'anniversaire de mon beau-frère aujourd'hui. Ce matin, on a eu tournage, donc on a fermeture des valises. Je vous avoue que j'ai un petit peu l'appréhension pour demain. Voilà. Voilà, j'ai trop peur, en fait, d'oublier des trucs, mais bon, ça va bien se passer. On part tôt demain matin, et voilà, ça va être trop, 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 trop cool. En tout cas, donc là, je bois mon thé, c'est la rentrée. Voilà, les filles, les garçons, donc objectif, si vous êtes laissés aller cet été, eh ben, vous allez avoir les mêmes objectifs que moi. Vous savez que moi, mon objectif, c'est de retrouver mon ventre plat. Bon, je vous montre, hein, moi, voilà, j'ai pas de gêne ou quoi que ce soit. Il est là, mon ventre. Et objectif ventre plat, tout simplement, c'est boire du thé. Donc, c'est des cures qui me font perdre mon ventre, éliminer tout mon ventre. Grâce à Wonder Nana et ses cures juste incroyables, eh ben, c'est possible. Donc, Wonder Nana, ça existe depuis 2017. C'est une marque française, vous voyez, made in France. Et c'est des produits naturels. En fait, c'est des produits qui ont été conçus donc, pour avoir des objectifs. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est ventre plat. Donc, pour avoir le ventre plat, c'est hyper facile. Il faut d'abord commencer. Donc, c'est sous 21 jours. D'accord? Donc, retenez ça. Donc, pendant d'abord 7 jours, on va faire la cure express. Celle-là, on s'en occupe pas. On fait la cure express pendant 7 jours. Cette cure-là, en fait, c'est une détox intense en 7 jours qui va venir éliminer toutes les mauvaises toxines de votre corps. Vraiment, en fait, regardez, c'est comme si vous avez votre estomac, votre organisme qui est là. Ça va venir, enfin, votre intestin, ça va venir tout nettoyer grâce à cette cure en 7 jours. Et vous allez déjà diminuer, vous allez voir, vous allez déjà perdre des centimètres et du poids rien qu'en faisant cette cure en 7 jours. Une fois que vous avez fini cette cure. Donc, on passe à cette cure-là, donc qui s'appelle queue de cerise. Donc, je pense que vous connaissez tous les queues de cerise, c'est vraiment très naturel. C'est une infusion pour avoir le ventre plat et ça dans 14 jours. Donc, si on fait 7 jours plus 14 jours, ça fait 21 jours au total. Et vous faites bien dans cet ordre-là. Et queue de cerise, en fait, c'est un anti-ballonnement, ça enlève tout ce qui est rétention d'eau, ça fait dégonfler le ventre. Enfin voilà, c'est extraordinaire. Donc pour la cure express, vous avez différents goûts, bien évidemment. Moi, c'est à la menthe. Vous avez plein de goûts sur le site, enfin saveur. Et queue de cerise, bon bah c'est connu, hein, voilà, hein, c'est, il n'y a pas de goût particulier.
En tout cas, vous pouvez regarder sur le site Wonder Nana, il y a d'autres cures, par exemple, si vous voulez la cure perte de poids, ou l'objectif ventre plat comme moi, et ben vous pouvez aller sur leur site, vous allez voir, les cures sont vraiment, vraiment pas chères. Wonder Nana, vous pouvez regarder les avis sur internet, c'est hyper bien noté, il y a que des avis positifs et ça marche très bien et le plus, c'est que c'est naturel. Moi, je vous donne un code promo de moins 40%. En plus de ça, donc comme je vous ai dit, c'est vraiment pas cher sur le site, mais en plus vous avez un code promo de moins 40%, donc c'est pas négligeable. Profitez de mon code et il est valable sur tout le site. Regardez les tatas, je voulais vous montrer ça, c'est trop bien. Acheté sur Amazon. Donc pour le petit bain, voilà, regardez, c'est hyper cool. Et moi perso, ça amuse Alia. Regardez, c'est trop trop bien. On fait les cheveux. Waouh! En ce moment, Alia. Donc, super papa, il est parti acheter des pots pour Alia. Parce que vous savez, on va pas pouvoir cuisiner pendant quelques jours. Donc, on a pris des pots. On va les mettre en valise. J'espère qu'ils vont pas les casser. Non, c'est solide. Et regardez, trop bien. Voilà. Comme ça, demain, Alia va pouvoir commencer patate douce, enfin continuer la patate douce. Après, légumes verts. Ça, c'est du pané. Là, il y a des carottes. Voilà, bon, on en a pris plus pour si jamais un jour on est vraiment en galère. Et voilà, donc je suis trop contente. Donc là, on va emporter avec nous patate douce pour demain. Demain, on peut ramener un pot dans l'avion, je pense. Donc, demain, ça sera patate douce. Et après, je vais voir ce que je ramène. Je pense qu'on va commencer légumes verts. Mais c'est un mélange. Recette d'un bon poisson en papillote. Donc, papier d'alu, huile d'olive. Vous mettez votre poisson. Vous l'assaisonnez de citron. Ensuite, chérie. Mais donne ta recette. Ah, vous mettez... des oignons. Je vois, il est parti chercher des petits oignons, là. Là. T'apprends, ma fille? Là, il y a Alia qui apprend et qui se lèche. Les lèvres. Regarde ça. Le bon poisson. Oula, il y a les oignons. On va s'écarter, ma fille. Là, ça a piqué les yeux. C'est qui ça? C'est parti, grand départ, réveil 6h. Jusqu'ici, Alia dormait. Elle est réveillée. Regarde comment elle est habillée. J'adore. Petit legging, petit pull. On va en vacances, ma fille. On va en vacances. Et ça fait 10 fois que je demande à Jésus s'il n'a pas oublié les clés. Les passeports. Et vous savez ce qu'elle m'a fait hier? Elle s'est réveillée pour boire un bibi à 3h du matin. Là, je me levais à 6h. Tu dois être fatiguée, ma fille, parce que tu t'es levée à 3h. Oui. On part en vacances. Regardez comment elle est trop belle dans sa poussette de voyage. Trop belle! Parce que je ne l'avais pas montrée en rose. T'es toute en rose, ma fille. On arrive à l'aéroport. Bon, enfin là, on est en train de déjeuner, ça fait bien. Même Alia déjeune. Là, elle commence à fatiguer là. Tant mieux, comme ça, on va dormir dans la. Mais sinon, ils nous ont laissé passer, comme vous avez dit, avec les bouteilles d'eau, la poudre, enfin tout. On embarque à... quelle heure? 9h30? Dans une heure. Et on a une escale à Francfort. Et ensuite, je vous dirai, on va. Bon, on fait une escale à Francfort. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de direct à Nice, c'est ça, chérie? Il n'y a plus de direct. Il n'y a qu'en plein été les directs. Mais là, c'est la rentrée, il n'y a plus de direct. Et puis Alia, les sages. Elle est dans sa poussette yo-yo, elle est trop trop bien. Enfin, c'est pas la yo-yo, mais c'est le même principe. Vous savez, celle que je vous ai montrée, Cybex, elle est trop trop bien.
dans la jambe. Je viens de lui enlever son pull.